Voilà, ce sont les objets de Djerbao que je vais devoir sortir doucement pour essayer d'en lire approximativement un peu le message de nos ancêtres. Que ce soit la poterie, les mosaïques, les premières mosaïques, les peintures sur les murs, c'est-à-dire les petites villas, l'utilisation du basalte un peu partout, les pierres, les traces de l'homme primitif et son passage par Djerba. Car plusieurs silex ont été trouvés sur l'endroit. Donc vous aurez un autre aperçu quand je finirai un peu ce travail difficile que j'ai entrepris, que ce soit pour le Zien des Alzis ou pour l'homme primitif en général.